Je Kofi Olomide officiel. Mesdames et messieurs, c'est officiel. Kofi Olomide est bel et bien en Angleterre, bel et bien à Londres. Nous sommes ici avec Boss Mboka, qui a quitté la République démocratique du Congo en passant par la France. Et il est venu fêter les fêtes de Saint-Sylvestre ici en Angleterre. Nous sommes donc en direct. Vous, les milliers de fans de Kofi Olomide, vous allez suivre Kofi Olomide en direct. C'est vrai, nous sommes le vendredi 3 janvier ici à Londres avec qui est en ligne en ce moment, les nombreux fans à travers le monde. Kofi Olomide, bonjour et bonne année 2020. Merci beaucoup. Bonjour Popol, bonjour les amis. Je suis vraiment heureux d'être là. Je vous remercie de m'accorder votre temps. Je voudrais, avant même que vous me posiez la première question, dire que ma première pensée en 2020, c'est pour mes frères à Béni. Je voulais dire à ces personnes de dédire ce pacte parce que ça ne peut pas continuer. Béni, c'est notre pays. Je pense pouvoir le dire au nom de tous les Congolais. Nous n'acceptons plus cet accord mystique, désastreux, qui fait que cet accord passé par... Moi, je ne sais pas exactement qui. Je n'aime pas répéter ce que j'entends. Je préfère répéter ce que j'ai vérifié, ce que j'ai vu. Mais ceux-là, au sommet de l'autorité de notre pays, au sommet de notre pays, qui ont passé cet accord, qu'ils dénoncent cet accord parce que notre pays doit être un et réuni. Que mes frères appelés soient forts, nous ne les oublions pas. J'ai dit... Je pense que mes compatriotes vont adhérer à cela. Donc, il y en a assez. Le Congo doit être congolais. C'est un message fort de Kofi Olomide adressé aux Béninois, au peuple de Béni. Merci Kofi Olomide d'avoir une pensée pieuse aux Congolais de Béni. Je ne suis pas seul, je suis avec Sandrine Sama et Théophile Munganga. C'est avec eux que nous allons faire cette interview. Permettez-moi de vous poser la première question, Kofi Olomide. Puisque vous avez parlé de Béni et du fameux accord s'il y en a, il y a juste une question qui me passe à la tête. 2019, vous avez eu une audience avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et rien n'a filtré de votre audience. Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire ce que vous nous dites aujourd'hui, maintenant, là? Et qu'est-ce que vous avez dit lors de votre audience avec Félix Tshisekedi, le président du Congo? Moi, j'ai le respect des institutions. Quand le président de la République m'honore de me recevoir dans son bureau, alors qu'il était à peine investi, je pense que je n'ai pas le droit de dire publiquement, mot à mot, l'intégralité de notre échange. Pardonnez-moi de ne pas vous redire ici ce que je lui ai dit, mais je me suis comporté en Congolais digne. Je l'ai salué, je l'ai félicité, et puis j'ai posé des questions, j'ai dit de dire publiquement. Aujourd'hui, si on vient... Parce que le message... En Afrique, ce n'est pas nous, ce sont ces gens-là. Ces pseudo-autorités qui sont au sommet de l'État. Beaucoup de gens savent beaucoup plus que moi. Les Eric, Moulalou, ceux qui sont ici, j'oublie des noms. Eux, ils savent plus que moi, mais c'est à eux de régler cette affaire. Nous ne sommes pas, nous, peuple congolais, nous ne sommes pas les ennemis des Ougandais. Nous, on n'a pas, on les insulte pas, eux ne nous insultent pas. Mais on ne peut pas nous vendre comme ça, on ne peut pas nous traiter comme des brebis, des gens qui n'ont pas de parole, et qu'on dispose de nos vies de cette façon-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frontière avec le Rwanda, il y a des Congolais qui vont et qui viennent, qui travaillent là-bas. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui ici que ces gens-là n'aillent plus au Rwanda travailler. Déjà, ils n'ont pas de boulot dans notre pays, pour des raisons dont on pourrait parler ici. Donc on ne peut pas leur dire, il ne faut pas qu'on accable les gens comme moi, parce que je suis chanteur. J'ai dit une phrase. Admettons que nous ne faisons plus la musique. Parce que quand on nous dit de ne pas chanter à Londres, à Paris, tout ça, c'est rien. On peut dire carrément que la musique au Congo n'existe plus. Est-ce que la situation à Béni sera réglée? Le jour où on dira qu'il n'y a plus de musique au Congo,
Parce qu'on peut nous dire même à Kinshasa qu'on ne chante plus, même à Brazza, donc il n'y a plus de musique. Point très, fini, on n'a plus de musique. Alors qu'est-ce qui va se passer les jours d'après? Mais ma question est de savoir si Kofi est... Non. Moi, je ne suis pas hypocrite. Ouais. Je dis encore une fois, l'affaire de Beni, l'affaire de notre pays, des rapports de notre avec le Rwanda, ce n'est pas lié à la musique. Moi, je suis musicien, je suis chanteur. C'est mon métier. Je nourris mes enfants avec mon métier, le fruit de mes métiers. C'est-à-dire, quand on m'empêche de faire mon boulot, comment je vais payer le Minerval, les frais scolaires de mes enfants? Comment je vais donner une vie à ma famille? Je parle pour moi, mais je peux le dire pour tous mes collègues, les Fali, les Ouera, tous les autres. C'est une injustice accablante. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas parce qu'il y a la musique ou qu'il n'y a pas la musique qu'il y a cette situation à Béni. Il ne faut pas non plus qu'on pense que les musiciens ne sont pas conscients de ce qui se passe, que nous ne sommes pas touchés. Vous n'allez pas dire aux gens, non, parce qu'il a été chanté là-bas que ceci ou cela a été réglé. Moi, je dis simplement qu'on dise clairement, aujourd'hui on est en 2020, d'une façon claire, il n'y a plus de musique au Congo. Il y a plus de... Je préfère qu'on dise comme ça, c'est fini la musique. Et qu'on me dise si le jour d'après, tout sera réglé. La vérité, c'est quoi? Ceux-là qui ont signé un pacte avec le Rwanda pour posséder une partie de notre pays, il faut que ces gens-là dénoncent ce contrat-là. On est d'accord, ça c'est très fort le message, mais je voudrais dire Kofi aujourd'hui peut aller égayer le peuple qui fait pleurer son peuple. Ce n'est pas le peuple rwandais qui fait pleurer le peuple congolais, c'est celui qui a signé ce pacte avec des gens rwandais qui fait pleurer, ce n'est pas le peuple rwandais. C'est là la différence entre votre raisonnement et le mien. Nous, peuple congolais, nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. On ne se bagarre pas, j'ai dit encore une fois... Les gens qui vivent à la frontière entre Gisenyi et Goma, je crois, ces gens-là peuvent vous dire comment ça se passe à la frontière de nos deux pays. Les gens continuent d'aller, de venir tous les jours. Il y a des Congolais qui sont établis là-bas. Qu'est-ce que vous leur dites? De revenir, de laisser leur boulot? Leur petit gagne-pain? C'est ça. Par contre, celui-là qui a eu la méchanceté de vendre notre pays, il est là. Les gens qui savent plus que moi le connaissent, ou les connaissent, ou il est tranquille. Pourquoi on accable les musiciens alors que lui, il est là, il est tranquille? Il y a des tribunaux internationaux où on livre des gens comme ça. D'accord. Merci. Voilà. Les amis sont là, je ne vais pas monopoliser la parole. Ils ont d'autres questions. Bonjour encore une fois, M. Kofi Olomide, et merci de nous recevoir. Pour recommencer, je dirais, vous êtes aujourd'hui à Londres et nous savons que Kofi Olomide est aimé partout en Afrique. Et moi, j'ai toujours dit une chose, que nous sommes un pays francophone, mais il y a Kofi Olomide qui s'exprime très bien en anglais quand il faut. Donc, si on peut recommencer avec un petit message aussi pour les anglophones qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Vous voulez que je parle? You want to speak English? Yes, in English, please. Welcome to London. My wish is that Congolese people finds peace in 2020. We don't need wars with our neighbors. Right. We want a Congo in peace, Congo working, because we want that Congo go forward. Now, my idea is that Congolese people is not enemy of Congolese Rwandese people. All right. We don't want wars. We don't want to fight. Yes. But we want those people who sold our country, a part of our country, to over. How you say in English? To stop this contract. Uh-huh. A diabolic contract. The deal. The deal that they made. Yes. Diabolic, not good for Congolese people. Uh-huh. I don't know if my English is good enough. No, it's good enough. I love it. C'est la raison pour laquelle je demandais même. Voilà. Donc, pour avancer, M. Kofi Olomide, Popo Mukelenge venait de dire tout à l'heure que vous étiez là et vous avez passé le fait ici en Angleterre. Pourquoi ce choix de l'Angleterre? Parce que nous voyons que le famille, même nous qui vivons ici en Angleterre, nous pensons peut-être aller, je ne sais pas, en Amérique, Dubaï, Kofi Olomide. Pourquoi les choix de l'Angleterre en ce moment? Parce que j'aime beaucoup l'Angleterre.
J'aime beaucoup l'anglais, j'aime beaucoup l'Angleterre, j'ai beaucoup d'amis ici. Les Laurent, les Renzo, les Thibault, les Isabella. Lui-là, c'est mon petit frère. Ouais. Mais vraiment, les mamans Marifa. C'est mon vieux du quartier à Lemba. Voilà, donc c'est, moi j'aime beaucoup l'Angleterre et puis je ne peux pas aller dans 40 pays en même temps. Non, non. Je ne cours derrière rien du tout. Donc j'ai choisi Londres pour mes enfants et on a eu raison. On a visité une fois de plus cette belle ville. Hein, donc voilà, il n'y a pas de problème. Il y a été à Holtz, chez Holtz. Mm-hmm. Il y a à manger, à boire, hein, si vous pouvez dire. Et, donc voilà, ça se passe vraiment. Vous avez profité pour faire du shopping aussi à Holtz, il vient de dire. Renouveler la garde-robe. Non, pour ce que j'ai dans ma garde-robe. Alors, avant de passer la parole à M. Théophile Munganga, je voulais simplement demander, après tout ce temps ici à Londres, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que, après, ça fait peut-être plus de 10 ans que Kofi Olomide n'était pas en Angleterre. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous? Quand je suis arrivé à la gare, quand j'ai vu Laurent, j'ai vu Simon Bongo, j'ai vu Thibault, j'ai vu Mama Rifa, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'autres gens. J'ai vu quelques filles, quelques femmes avec des larmes qui étaient, j'ai dit, je dirais pas malheureux, à qui Kofi a manqué pendant tous ces temps. Toutes ces personnes, sachent qu'elles m'ont manqué aussi. Londres m'a beaucoup manqué, comme j'ai beaucoup manqué à Londres, plutôt à la communauté congolaise africaine de Londres. Partout où je vais, hier j'ai été acheter le Fumwa. Ah ouais? Oui, moi je suis un homme normal. Sorti au Kachov, c'est là où il était. Normal, donc j'ai vu, quand j'étais à Holt, l'autre magasin là, comment ça s'appelle, le grand magasin là? Selfridges. J'étais là-bas, j'ai rencontré des gens, mais il y a une dame qui criait, c'était la femme d'un monsieur blanc. Ah, c'est le Johnny Hallyday de l'Afrique. Donc vraiment, j'ai senti que. Et puis tout le monde me dit, mais quand est-ce qu'elle est à concert? Quand est-ce qu'il y a concert? Moi j'ai dit, non, je pense d'abord à Benny. Oui, merci beaucoup à M. Kofi Olomide pour la réponse à mon confrère et ma consoeur. Alors, moi je vais me présenter d'abord. Moi je suis Théophile Munganga, l'intellectuel pour les intimes. Et je suis le propriétaire de Global Talk TV. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de rencontrer Kofi en face de moi. Et en honneur professionnel pour ma carrière. Et je dirais d'abord merci à Kofi Olomide pour nous avoir accepté parmi tant de sites, tant de médias qu'il y a ici à Londres. Alors, ma première question est de savoir, M. Kofi Olomide, avec mon confrère Paul Mukenenge, il vous a introduit et vous êtes parti directement du point de vue politique. Et ça a attiré ma curiosité de savoir. Qu'est-ce que Kofi Olomide, en tant qu'artiste et opinion, il y a leader, il y a Congo, Azokanissa, Pona, Inamé, il y a alternance, il y a pouvoir pacifique, na Congo, et les 6 millions qui doivent dépenser pour l'alternance du Congo, entre-temps, comme vous venez de le mentionner maintenant, il y a des morts à Beni. Il y a votre fan, ou beaucoup de gens qui n'ont rien à Selfridges, à un concert, mais au répondre, vous pensez plutôt à Beni qu'au concert. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que est votre réponse sur cette question pour moi? Question Ezali exactement. Qu'est-ce que Kofi Olomide pense pour l'alternance, le pouvoir pacifique? Et les 6 millions qu'ils vont dépenser pour la fête d'une année d'alternance. Vous préférez l'anglais, le français ou le lingala? Je préfère le lingala, s'il vous plaît. Et là, on a appelé na propos na yo, c'est le mot pacifique. Peuple congolais, on s'appelle là na inzala. Mais ma bombe est à la tête, ma sassi est bétate. Azala na kimia. Donc, peuple congolais est au solo laka. Biso batoto, toki mamboga toto salaka na mboka. Toko sepe laka, tola la napsu nzala. Moi, ba lora, ba simon bon.
tous les jours, dans la pomme de terre. Ça nous sent aussi qu'on a pas comme des garçons là. Mais besoin de boya Congo, tous à la carte en Congo, la mouille ou là. Ceux qui allaient tous les, ceux qui étaient tous là. Pour nous aller au Bomaga, il y a 51 jours. Nous allons 10 jours au Bomaga. Mais tout là, la peine, nous allons 10 jours. Et là, c'est Pelsing et Ali, mot pacifique. Peuple congolais, il a besoin, il y a Kimia. Pas débrouiller, on ne débrouiller, on jamais au moins dans Zéla, on va aller, on va aller, on va aller, on va non, on va se débrouiller. Et puis, on va aller dans Zéla, à Tamboula, on va aller à Nengenina, à transport, on va passer à Nengenina. On va aller à Nengenina, on va aller à Nengenina, on va aller à Nandako. Donc, on va aller à Nini. Parti qui l'a mis au Congo, l'a mis au Kimia. Yo, au lobby Congo, il y a 6 millions. Mais il y a des informations qui sont aux Oaki Wapi. Mais on tient à la TMBT. C'est ce qui a été décrété dans le ministère, dans la réunion du ministère avec le président pour recruter Monta Oyo, dans le salon de l'alternance pacifique, encore une fois de plus. Même émission où il y a été malheureusement. Sauf que, bah, émission à Bino, il y a Internet, tout ça. Boyo kali kamamoto, et baby, boy na boy. C'est-à-dire. Et Indi. Et Indi, c'est-à-dire, Natal, une minute, il y a un bel. Soit il y a un bandit, d'abord, il y a un tir à la combat, toi, Kofi, boyo ka Kofi à l'obi, boy. Au moins, c'est au Kofi, t'es allé. Kofi à Zate. Donc, c'est qu'on a la confiance dans le côté. Et puis, ceux qui ont eu l'information, ils ont eu l'information, mais même à ta. Aux gens qui ont RTNC, ils ont fonctionné. Et qui ont été pour répéter un mot publiquement. Donc, 5 millions, 8 millions, ou nini, sincèrement, je n'ai pas d'avis. Déjà parce que Nazan a été à dire avec tout le monde. Le troisième jour, c'est l'heure de bilan. Vous avez fait une chanson d'ailleurs intitulée Bilan. Nous sommes au début de l'année, bilan et perspective. Voilà. On peut avoir le bilan de Kofi Olomide pour l'année 2019 et quelles sont les perspectives projets pour 2020? Les fans sont des milliers en direct. Maintenant, nous sommes à presque 2000 d'internautes qui sont sur Facebook maintenant. Qu'est-ce que Kofi va nous programmer pour 2020 et le bilan de 2019? Rapidement. Moi, je ne suis pas là pour faire les bilans. Je ne peux pas être juge et parti. C'est vous qui faites. Vous qui... Maintenant, sur Internet, il y a des tribunaux, non? Il y a des gens, il y a des gens qui se. Des analystes. Qui se sont donné le droit de nous juger. On ne connaît pas nos chefs d'accusation. Et mais voilà. Donc, moi, je regarde ça les bras croisés. Et puis voilà. Mais je me livre à mon travail pour mes fans qui sont là. C'est l'année de légende. Je l'ai déjà dit, moi je ne cours plus derrière rien du tout. Je n'ai plus rien à prouver. Je suis juste Kofi. J'ai même dit à Kinshasa qu'aujourd'hui, qu'on me considère comme un hors-série. C'est-à-dire, je ne suis pas compétiteur. Les gens qui veulent avoir les numéros, de numéro 1 à numéro 2000, je ne sais pas combien, ils n'ont qu'à prendre. Moi, je suis juste Kofi. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un malin, qui a trouvé le terme légende pour me nommer. Donc, j'en suis à ça. J'aime les gens qui m'ont fait, j'aime le public qui m'a fait, et pour eux, je vais faire ce qu'ils vont découvrir. Je n'ai pas l'habitude de faire de la propagande, mais ce que je peux dire avec certitude aujourd'hui, c'est l'album qui va faire le bonheur de tout le monde, l'album Légende. C'est un album comme je n'avais jamais fait, ne serait-ce que parce qu'il y a au moins 8 featuring énormes, Davido, tu vois, Savage, Nino, etc., etc. Donc, ce qui est certain en 2020, c'est l'année de l'album Légende. L'album Légende. Et il y aura le retour de Kofi Olomide sur scène, mais de façon grandiose. Mais ce n'est pas le moment, encore une fois, d'en parler. Mais ce sont des choses qui vont se passer en 2020. Voilà. Pour le bilan, c'est à vous de juger. Moi, je suis allé, je suis revenu dans tous les pays, à gauche, à droite. On m'a mis des bâtons dans les roues, des pots de bananes, par-ci, par-là. Bon, il y a des gens qui... Oh, Kokowana, Viewana, Boué, Boué. On dirait qu'ils ont peur que je joue. Dès que j'annonce Nakin Afrique du Sud, Makamé Bimikuna. Ah, tout capot, conseil à Kofi, ils en attendent deux fois. Mais quand ils mettent des pots de banane sur la route de Kofi, ils oublient les producteurs qui investissent leur argent. Parce que les salles où moi j'allais jouer en Afrique du Sud, c'est l'équivalent de, au minimum du Zénith de Paris. Je ne comprends pas, moi qu'on traite partout le nord, dans les tribunaux, dans les machins, quand on annonce quelque part, toujours il y a des histoires. Et puis,
n'y a pas un artiste au Congo. Il n'y a pas un artiste au Congo qui a connu une année 2019 comme moi. C'est-à-dire avec des problèmes. Le sommet de ces problèmes, c'était l'ignominie, l'injustice, la barbarie des gens, de la censure. Votre arrestation, vous voulez dire? Non, je n'ai pas été arrêté. Enfin, votre appréhendé. Voilà. Voilà. Je n'ai pas du tout. Vous avez été appréhendé, voilà. Voilà. J'ai été vandalisé, comme on vandalise des sites, tout ça. Donc, il n'y a personne qui l'a connu. Deux fois, j'étais annoncé en Afrique du Sud. Tout était prêt, les billets d'avion. Et il y a eu sabotage. Nous en savons beaucoup plus aujourd'hui. Mais ces gens-là me trouveront toujours sur la route. Parce que moi, je vais faire mon boulot. Pour les gens-là qui sont aujourd'hui sur le site, le Facebook de Kofi Olomide, qui s'appelle juste Kofi Olomide. Ouais. Donc, je ne vais pas laisser tomber les bras parce qu'ils veulent m'intimider. Ouais. Parce qu'ils veulent me faire subir l'injustice que tout le monde a vue. Je me demande encore une fois, pourquoi celui-là qu'on taxe de tous les noms? Il y a des gens qui me cherchent des problèmes facilement, Kofi ceci. Pourquoi alors ils ne veulent pas que je joue? Pourquoi alors ils ne veulent pas que je joue? Pourquoi il y a toujours des combis? Le producteur d'Afrique du Sud, s'il vous raconte ce qui s'est passé, la vérité, vous allez avoir des larmes. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Comment voulez-vous une dame sud-africaine qui ne sait même pas prononcer mon nom? On l'a fait passer à la télé juste pour que l'État sud-africain s'en prenne à Kofi Olomide. Et après, l'État découvre que non, Kofi Olomide n'a commis aucun crime ni même délit en Afrique du Sud. Juste deux, trois jours avant la date du concert pour que les gens qui nous louent la salle aient peur et nous disent non, on ne peut pas faire. Ce n'est pas l'État qui annule, hein, ce sont les salles. Un peu ce qu'on avait fait à l'époque pour le petit. Mon petit frère héritier. Héritier pour Olympia. À l'Olympia, dire que non, c'est une musique, on est bête, mouta, koufa, monte, gopé là. C'est ce qu'on me fait, moi. Je me demande pourquoi, parce que je ne vois rien. Les gens disent, ah, kokoana, boyenaboy, boyenaboy, boyenaboy. Monsieur Kofi Olomide, vous avez répété ça quelques fois, kokoana. Est-ce que ça vous gêne, ces injures? Si je suis aujourd'hui le plus grand animateur congolais. L'animation qui a. DJ Quadra. L'animation. Qui a fait 2 ans de succès au Congo, c'est Tata Mobimba. 2 ans, je dis bien. C'est-à-dire, son DJ Abete en TCG, patrouille à l'orchestre, on va raconter le confirme à Ngajaraï, il a tini. Donc, pour dire qu'on diminue Balobago Bimaï à Talakou, il y a Wekop, et voilà, ça continue même jusqu'à maintenant. À Talakou, ça dit, en anglais, il y a un DJ, en français, il y a un animateur. Il y a un DJ, comme DJ, mon pao. Et puis, il y a un petit nom Bill Clinton. Il aime taper ça à ma brassard. Il aime taper ça à ma brassard. C'est quand même un bien. Parce que bon, son appétit est une quantité planète. Tata Mobimba, ici, il a raté. Si on a joué la danse à ma congolais. Après, danse à ma bosse. Ma question était juste pour savoir est-ce que ça vous gêne? Non, parce que ma bonne. Je voulais poser une question. Je le confirme ici. En 2020. J'allais en venir. Non. Laissez-moi juste ajouter quelque chose. Kofi Olomide, c'est Kofi Central. Non, Toké n'a pas cette langue-là. Parce qu'on est sur Kofi Olomide, Kofi Central et. Non. C'est parce que Facebook officiel de Kofi Olomide, il y a toutes les nations. Voilà. D'ailleurs, les Ivoiriens, les Togolais, les Angolais, les Gabonais, les Congolais de Brazzaville, les Centrafricains, les Guinéens, les Maliens. Je salue tous mes fans de toute l'Afrique. Est-ce que Kofi Olomide est fier de sa dernière collaboration, le dernier featuring avec la chanson Autorité? Est-ce que vous êtes fier de cette. Ça, ce n'est pas une chanson. On appelle ça décalé. Ouais. Est-ce que artistiquement parlant, avec la rigueur de Kofi Olomide, Kofi qui a fait Wake Up, Kofi qui a fait le featuring avec Nazak et Black, est-ce que vous êtes fier de cette œuvre artistiquement parlant? Maintenant tu as fini? Ouais, j'ai fini. Je vais te répondre. Oui, plus que fier. Vous savez, j'ai fait chanter, j'ai donné le micro à quelqu'un dont ce n'est pas le métier que chanter. Karine Mokondi. Et je suis content de découvrir les jaloux
elle est jalouse de Karine Mukundi. Le problème, c'est le mien. Soi-disant, Finga Kiyo, maman, cette fille-là a fait une vidéo pour demander pardon à ma mère, à mes fans et à moi-même. Moi, je suis un chrétien. Quand quelqu'un me demande pardon, de cette façon-là surtout, je pardonne sincèrement. Toi, tu me connais mieux que beaucoup de gens. Je ne suis pas une hypocrite. Moi, quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis bon. Maintenant, vous êtes les premiers. Kofi, pas problème, n'a pas tout. Papa, conflit. Kofi a toujours des problèmes, s'entend avec personne. C'est la réputation que vous m'avez faite. Maintenant, j'arrange un problème. C'est mauvais aussi. Maintenant, attends. Quand j'étais à l'hôpital, on m'avait opéré toujours en 2019. Quand je disais que personne n'a connu autant de problèmes que moi en 2019, on m'avait opéré. Un jour, j'entends. Oui, c'est qui? Zach, le Mola. Zachary Baba Basoué. Qui était mon petit, c'est moi qui l'ai surnommé le Mola. Écoutez, bilan, tout ça. Mais on a eu 5 ans, 7 ans, 8 ans, des problèmes. Sur sa chaîne télévision, il y avait des injures contre Kofi. Je n'avais aucun moyen de répondre. Comme dans la plupart des cas, quand les gens vont à la télé pour utiliser mon nom. Je me suis levé, quand bien même j'avais ma plaie, je l'ai embrassé, tout ça. Parce que lui... Il n'avait même pas besoin de me dire je m'excuse pour ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Il est venu me voir dans ma passe. Il y a beaucoup de gens en qui j'avais confiance qui ne sont pas venus, qui ne m'ont même pas appelé. Lui, il est venu. Sa conscience lui a dit quelque chose. Pourquoi, quand j'ai embrassé Zachary, il n'y a pas eu le tollé qu'il y a aujourd'hui sur Karine? C'est là qu'il y a un complot. C'est là qu'il y a un piège. C'est l'IA qui a une manipulation. Maintenant, il faut que les gens réfléchissent bien. C'est qui que ça gêne que Kofi parle à Karine? Parce que ce n'est pas tous les Congolais. Moi, je dis encore une fois, je suis un chrétien pratiquant. Quand quelqu'un me dit pardon, quand quelqu'un vient vers moi, me tend la main, je prends sa main, je lui pardonne, sincèrement. Maintenant, ce qu'on reproche à Karine, c'est quoi? D'avoir accueilli un musicien qui m'a insulté pendant 2 ans. Pourquoi on ne parle pas de ce musicien? Ce n'est pas Karine qui m'a insulté. Et puis pourquoi Karine disait des choses pas bien sur moi? Pendant au moins 4-5 ans, quand elle était à la RTGA, elle m'invitait à son émission qu'elle animait. Et moi, je refusais chaque fois. Je refusais toujours. Elle le sait, les gens de la RTGA le savent. Ça finit par la mettre en colère. Et puis elle a commencé à déraper. Moi, parce que j'ai commencé à demander à Sandra Kazadi, à Angelo Central, mais qu'est-ce qu'elle disait? On a commencé à me redire, oh, ce qui m'a porté parole à Fininga, merveille, Amiou, n'a pas au finger, Kofina au finger, boy, boy. Son dabi, n'a pas au finger, à Fingita. Ou bien. Par contre, tous les Congolais ont entendu quelqu'un qu'elle a reçu m'insulter pour rien pendant 2 heures. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cet acharnement sur Kofi Olomide? Pourquoi? Ma question... On dit... C'est moi l'accusé. Laisse-moi, il n'y aura plus que 5 minutes. Voilà, justement, c'est pourquoi... Non, laisse-moi finir ma phrase. Quelqu'un... En fait, au fond de son cœur, elle n'avait pas de problème contre moi. Parce que dès qu'elle est arrivée à Paris, elle m'a cherché. Elle a voulu qu'on fasse l'émission, on a fait, et puis elle a voulu chanter. Je lui ai dit publiquement, si tu veux chanter, moi je peux faire chanter. Ce qu'on a fait, au port, tu connais, comme tu l'as dit toi-même, comment dirais-je? La rigueur, la finesse. La rigueur artistique. Mmh. Ce n'est pas une chanson qu'on a faite. C'est une animation. C'est un son. C'est comme on dit aujourd'hui dans le langage actuel, c'est que les gens, des beatmakers, c'est-à-dire c'est un truc, c'est une animation. C'est une mise en bouche. C'est ceux-là là qui parlent, on dit, maman, la vie était pas ça, pas ça. On dit, ma vie était comme quand même, 500 000, tout va se faire, ma vie, au bout d'un an, elle est à 200 000. Maman, elle a 600 000, pardon. Elle a mis des semaines, on va dire, elle va te faire une belle, elle va mettre son visage, elle va le bon mawa. Elle va se bouger dans la vie, elle va se bouger, elle va se bouger. Voilà. Tout va dire, j'ai ri, awa. Oui, mais j'ai dit, moi, j'ai dit, moi, c'est moi. Élégance. Élégance, t'attends que tu salues un moment, on est cover. Cover. Tu as 2 millions. Direction artistique à Kofi Olomide, auteur, compositeur, guitare, on est bête à Yangamon, on est bête. 2 millions artistiques
Kofi Olomide. Moi, je suis Karine, si vous avez dit que vous avez dit que vous allez voir. Vous allez moi, bit, mogoboye, moi, son mogoboye. Oyaza le plus titré à Congo, le plus grand nombre. Je l'ai fait beaucoup surtout Fali. Numéro 1 à la génération à Lelo. Incontestablement. Il vient de connaître un malaise, vous avez parlé? Si, si, on a parlé, on a échangé, mais je n'ai pas à dire ça là. Oh, ok, c'est bon. Oyaza latino, c'est-à-dire fierté à Congo, fierté à Kofi. Mm. Donc il y a le roi Didi, quoi. À ça, il y a la fille congolaise, numéro 1, même, c'est recommandé. Sans doute, ça m'a. Tu as la vie, les followers, tu as la Didi. Il y a ça, il y a le roi. Soit il y a une mission. donc, vous en avez ma confiance. Ce qui Karim, n'en a bien qu'une autorité. Sur le biga yim, si vous nous aimez, au moins, est-ce que vous bateau bas ou le bas? Demande ma vie, bateau bas, bateau bas, bateau bas, bien. Total, si vous bateau bas, voilà. Mais je reviens le midi. J'avais une question sur les réseaux sociaux. Et après, vous avez parlé de Zakari Bababa Sué et une question me vient en tête. Je vais te poser cette question d'abord. Est-ce que c'était fait exprès? Parce que nous voyons, par rapport à Makambambo Kaibele, nous déplorons aussi bas soins médicaux au pays. Kofi Olomide a été à Paris et c'est juste après son retour à Kinshasa qu'il s'est fait opérer à Kinshasa. Alors, pourquoi ce choix? C'était exprès ou c'est venu moi, comme moi, ça moi, et... je suis un patriote vrai. Oui. Et le roi Bakmoussou Balouaba, chrétien. Baba chrétien, point. Nga soukona li chrétien, pratiquant. Et ça, le quoi, mari, moussous, baba la, baza ba mari. Mais nga li mari, pratiquant. Très marié. Ça dit, na salle la bambou. Mon grand prêtre. Patron, mon mari. Mon ayet. Mon quoi, tout comme la 2023, on a 27 ans. Dans le calme, na quoi, na bis, so yali tolé, so yali tolé. Donc les attaques à maquiller, les maquiller, depuis ma mère sur tous les réseaux sociaux, dans l'article on a ma mère Fana Sandra, na lifié, ouais, oublie lifié, ouais, ma l'article là, donc voilà, puis ma mère sous son amour, ils étaient bolana, chibola, Laura, Lorenzo, bah comment peut danger la maman, ok, donc on a tala raboué, ok, ah, on a la wana bon, les bébés pas kengra, on a la tama mentor, vous êtes en faut pas louka louka mani, c'était juste ça ma deuxième question. C'était juste ça ma deuxième question. Est-ce que Kofi Olomide jette l'œil quand même? Parce que vous avez, je vous ai entendu dire plusieurs fois que Namt Najira a raté les réseaux sociaux. Mais est-ce que Kofi Olomide se sert? Et spécialement maintenant, comme nous sommes là, milieu de personnes est en train de nous suivre. C'est aussi une façon d'avoir le direct contact avec tes fans. Est-ce que Kofi Olomide jette l'œil sur ces réseaux sociaux quand même pour voir et avoir compte de ce que les fans disent de lui? Je suis content. Parler en français que aujourd'hui j'ai un témoin d'État qui s'appelle Paul Mukelenge, Popcorn, bah comme son accent là. Non mais ça va déjà. Parce qu'aujourd'hui pour tout ça la direct on a na Facebook à Kofi Olomide, la PC téléphone à Sololina. Angelou Central. Il y a ma manie, n'anga comme Angelou Central que je salue, bah bien qu'il est dangereux. Aza Camerounais, allez Congolais. Le basolo lié mouto à l'objet de la ni la volume même mot de passe n'a pas ni n'a pas été. Donc, c'est vous dire que sincèrement, il y a une bande de musique qui va m'a la guité. Mon nom va vivre au bout de la journée, on appelle ça un samedi merci. Pour la côte, ma ramoua à 4 heures, l'équipe belle, bah forçant à la Didi, bah forçant à la Sandra, bah ma pône à éviter. N'a pas le bas même à ta vie et à l'île. Mais il parade aux anamotés, mais il a tout, il a changé en oisate. Pour battre Bélé ou Bangamout, il a dit que je suis allé à Bali. Maintenant, on a laïque à Bangamoté, 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 bana nyuso komo baka bana nanga mais bana nga biologique na osala ki nzambe a continuer ko zo kana bango asala mo priorité na ye na bon de la penzambe na ngai
Allez vous abonner de partout, allez vous abonner sur mon Instagram pour que je me mette aussi dans le bain. Pour cette année, j'ai pour vous un album de prestige. Le jour où vous apprendrez que c'est là, achetez-le, appropriez-vous-le, vous allez vous faire plaisir, il y a tous les goûts et vous aurez du mal à choisir votre meilleure chanson. Je sais que tout le monde me dit, non, Kofi, pas plus de 15, pas plus de 20 chansons, on va faire au mieux et vous allez être satisfait. Rendez-vous au You Arena, je n'ai pas encore le droit de dire la date, mais en attendant, je demande à tout le monde d'aller avec Fally à Bercy le 28 février. Fally, c'est moi. Je pense que là où il est, il se reconnaît aussi en moi. On s'est parlé, il y a eu l'alerte, comme quoi il était malade, mais il n'y a rien, tout va bien, lui, il ne peut rien lui arriver. Donc je le salue, je salue tous mes collègues artistes. Les jeunes, comme les anciens, Gazmao était, Inos, Alèche. Inos B. Je salue aussi mon arrangeur, mon ingénieur Gizo, là où il est, Fonkondi. Et surtout mon fils, c'est lui qui s'occupe de mes vidéos, HB. J'étais jusqu'au Nigeria, j'ai fait avec Clarence pour l'album Légende. Clarence est peut-être le plus grand en Afrique, mais aujourd'hui il a une concurrence incroyable. Et tu dis, c'est-à-dire Achille Bamboumé. Exactement. Donc je les salue. Très bonne année. DJ Franck, tous les DJ du monde. J'étais avec DJ Kitoko au Cameroun il y a quelques jours. Je les salue. Je salue tous les Camerounais. Je salue les Congolais de Brazza, les Angolais, les Kenyans. Je veux revenir au Kenya. On m'a créé aussi un problème là-bas, mais cette année, c'est certain. On va aller là-bas et puis on va démontrer qu'ils arrivent à Nébisso. Merci à Kofi. Je n'oublie pas Kaya Kaya Moussa. Je n'oublie pas Simon Bongon à Londres. Mais ça fait 40 ans, Merci. Il a un peu comme Kofi Olomide, alors, avec la musique, on dit qu'il a un amitié. Toi, tu es monsieur Kofi Olomide. Mais il y a un peu de M. Karim, vous en compte. Non, moi je parle de monsieur Kofi Olomide. Mais monsieur Kofi Olomide, vous avez un Karim, la paix, tu as un la musique à Congo. Mais c'est comme vous voulez me dire, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Monsieur Olomide, s'il vous plaît, toute une dernière question. Merci. Ouerason, nous avons cité. Voilà. Une pensée pour quartier latin. C'est la quartier latine en 2020, incroyable, les États-Unis, voilà, incroyable. On a passé Béba en Suisse, la Révèle une télé, on a passé Willy Moucheni, on a passé en Suisse, Béba Zikou, on a passé Rodolphe Toumba, on a passé. Mais tempérez que monsieur Kofi Olomide, l'artiste qu'il est, avec la réputation qu'il a planétaire, il ne peut pas terminer tout le nom de. Toutes les connaissances. Alors, monsieur Kofi Olomide, toute une dernière question pour la curiosité. Monsieur Kofi Olomide s'est battu pour la autorisation de sortir des musiciens. Aujourd'hui, c'est tout un effet Balongo Nyango. Et deuxième combat, monsieur Kofi Olomide, ils allient Balongo la autorisation à commission de censure. Question n'est pas Pascal Chiyoka, Narigoma, Naridoff Messier, ni sans oublier Petit Nanga Yannick, ni Trésor Versace. Alors, M. Kofi Olomide, est-ce que vous avez dit que vous avez condamné et comme vous avez dit pour balonger l'autorisation de sortie par rapport à l'autorisation à censure, par rapport à
y a ban les pousser en Angleterre ou en Londres il y a musique nao ou la vidéo nao mais tout le temps que le monde dernièrement et puis pour savoir où en sommes nous avec plainte nao salaki na batu ou baiki qu'on maltraite nao nanda kunao comme na mandat d'arrêt soit disant ok mais na parquet il y a une grande instance dans la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mandat d'arrêté, mandat de comparution. Ok, mandat de comparution, merci. Président Monsieur Sika, Antoine Félix Tshisekedi, que je salue. Azar, particulièrement très intelligent. Il y a Koutaki censure, commission en a. Il était Moutassali à moi. Je mets ma main à couper qu'elle a adepte à censure dans le Congo. Parce que, dans la bande de Yokaya, avant comme président, à l'Oba phrase Moralobi, ce qui a commis président, l'une des premières choses à Moutassali à quoi, libérer Batoumé Sotoyo, Bakanga Bango arbitrairement. C'est-à-dire, quelque part, il y a la notion de censure. Batoumoussou Bakanga Bango a pour Balobaki. Or, Congo démocratique. Mon pays que j'aime tant. Par l'essence même, il y a le mot démocratie, voilà. Et qu'on ne dit jamais qu'on a adhéré à Bilo, le coup là-bas censure. Je suis pour les bonnes mœurs. Je le redis, je suis pour les bonnes mœurs. Mais je suis contre la censure. Je pense comme notre chef de l'État actuel. Il n'est pas certain que, dans la coupe, c'est une injonction. Je ne suis qu'un citoyen moqué. Mais il n'est pas la capacité à couper seulement idée. Que Batouba Otalaye, la communauté internationale des Otalaye, ils n'ont pas pour en profiter. Parce que dans mon esprit, il y a révolutionnaire, parce que j'aime l'évolution. Donc, je suis sûr qu'à un moment donné, il m'a dit que je ne suis pas censé, que je ne suis pas censé, que je ne suis pas censé. Parce que ça ne dépend que de lui. Parce que, écoutez, le président, mon goutou, mon goutou, il y a un censé, Batoutou, Bayebi. Parce que Zaou Ligaba, opposant contre IET. Donc, la Congo, le lui, mais c'est bon que ma commission, ma office, ma bonne mœurs, et Zala. Mais Zala, citoyen, faut être libre de voyager, libre de ses mouvements, libre de s'exprimer, libre d'écrire, libre de penser dans un pays démocratique. Toujours dans le respect de la loi telle qu'établie, qui est la même pour tous. J'ai porté plainte. Moutou oyo bon azo filmé nga, ou abimé sa filmé wana. Moutou a ti nage pa nanga. Ti lelo, nanou a exprimé même pas regret que moutou a outrepassé ki ba ordre na ye. A moins que, ko filmé nga, e zagi pe na parti, na kati a ba ordre ba pe sa ki ye. Donc moutou a banda wana, a mouna na gali société, po a yebi gravité acto a sala. Plante nange zaka wana, nga son a zalagi, nan mou pouvoir. Tout le conseiller, car le conseiller ministre de la Justice, il a été mutuellement pas à Kofi, parce que Makambo Moutouana Sala, ça déshonore la justice congolaise. Parce que monter encore une fois pour les Zamba. Il y a des gens qui sont contents que Makambo ait commis la main. Bon, mon abamo, pour l'abamo, c'est bon, c'est bien. Ça fait plaire, parce que moi j'ai les évoqués. Nous président, président en Côte d'Ivoire, président en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, nous avons un téléphone, c'est incroyable. Makambo le Banana bat tout Afrique. Mais moi j'aime mon pays. Donc, ceux qui ne m'aiment pas, actuellement, vraiment, il y a solo, Makamboyo et Koleka Kakaboye. Tous les amis qui me suivent sur Facebook, ceux qui ne comprennent pas Lingala, faites-vous traduire mes propos. Comprenez-moi, je parle sous l'émotion, quelquefois avec passion, avec sincérité. Donc, j'espère que ce qui s'est passé chez moi, avec les gens de la censure, je pense que ça ne va pas rester comme ça, ça ne va pas couler comme ça, puis on oublie. Moi, j'espère que l'autorité de notre pays, de mon pays, le Congo, va demander à celui-là qui a envoyé ses agents, celui-là surtout qui m'a filmé, des explications. Parce que cette personne qui a envoyé son agent n'a exprimé aucun regret. Je me demande même s'il a cherché même à blâmer, à donner un avertissement à ces agents-là. Si ce n'est pas le cas, même si je pense que ça ne devrait pas rester comme ça, ne serait-ce que pour l'exemple. Merci beaucoup, les amis. Vous qui êtes si nombreux sur ma page. Ah, bien sûr. Ils sont là, ils réagissent aussi. Je vous demande
je vous demande de vous abonner sur ma page Instagram parce qu'on m'explique qu'aujourd'hui... Surtout YouTube, Monsieur Kofi Olomide. On m'explique qu'aujourd'hui c'est ça. Donc il faut vous abonner en masse. J'espère que d'ici la fin du mois de janvier, je sentirai un grand changement. Merci à vous, au Gabon, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Merci à Thibaut pour la Ballon d'Or. Merci à Laurent Lorenzo, que Fali avait immortalisé dans éternellement. Merci à toi pour les bonnes années. Bon. Toi, souvent, on oublie les journalistes. Ouais. Bon, merci, bonne année. Vraiment, avec ta famille et tes enfants, tu as déjà des enfants. Bien sûr. Voilà. Pourquoi bien sûr? Tu peux ne pas en avoir. Non, non, j'en ai. Voilà, donc tes enfants, je le souhaite le meilleur. Merci. Madame, bonne année. Merci beaucoup, pareil. Bon mot. Je salue aussi ton ami Brice Mpang, là où il est. Okay. Et tous mes amis de Londres. J'allais oublier Impeachment, c'est-à-dire Chancelier Mido. Ouais. Oh ouais. L'un des Congolais qui parle le mieux anglais. Yes. Je n'oublie pas aussi le leader, il y a Presse, il y a Congo. Sampé Mombaye. Merci, c'était Kofi Olomide. Merci de nous avoir disposé du temps. Vous êtes très très chargé, mais vous avez pris du temps pour honorer la presse congolaise. Merci donc à Congo Synthèse. Et mon souhait pour 2020 est que Kofi Olomide et son quartier latin jouent un concert à Bénin, ne fût-ce que pour apporter un peu de joie. Nous lançons un appel aux producteurs, ceux qui sont verts dans la région. Je suis prêt, je serai à Kinshasa bientôt. Si vous voulez que j'aille bien, je vais jouer à bien, mais c'est le Congo, c'est mon pays. D'ailleurs, c'est même pas parce que moi, la musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas d'adresse. La musique était... Intimba, un de favor. Voilà. Okay. Et W0243, Willy Mouché, Nico Damboka, vous salue aussi. Mon fils, Muzongo, Maria, Qui est ici à Londres. Okay. Aussi, Gigi Bokole. Nadège, ma fille, Nadège, bien. Ma mari, Fana London. Yes. Et tous ses enfants, Annabelle, la belle, hein? Quel mot qui a aillé vraiment. Gigi Bokole vous salue, Gino Acapone vous salue. Alors, je salue tout le monde qui sont en ligne. Merci d'être là présent avec nous. C'était donc Sonoun Sama et Popo Mukeling avec Merci à Colonel Tshisekedi, de Maman Denise Betou. Merci donc. Ah, d'accord. Les gens. Il y a Colonel Tshisekedi. Merci à Monsieur Isebola aussi pour la coordination de cette interview. Merci beaucoup. Maman Rifab, Maman Nanganios Yakroydon. Je vous salue, Maman Brigitte, Maman Chantal et Maman Brigitte Etambé, bien sûr. Maman Croydon, je vous salue. Sandra Kazadi, Angelou Central, Christelle Mangaya, Mewarre, Valentino. Je ne vous ai pas oublié. Voilà, c'était donc Kofi Olomide, merci encore une fois, et puis bonne année à tout le monde, bonne année partout où vous êtes, et que vraiment que la paix et le bonheur pèsent un peu plus dans nos vies que le malheur. Merci et à très bientôt.